Le président namibien Gegenhop entame un traitement contre le cancer après qu'un bilan médical a révélé des cellules cancéreuses, selon un communiqué de la présidence paru vendredi dernier. L'homme de 82 ans avait subi une coloscopie et une gastroscopie le 8 janvier, qui ont été suivies d'une biopsie. Le communiqué ne donne pas plus de détails sur son diagnostic, mais assure qu'il continue à assumer ses fonctions présidentielles aux côtés du gouvernement. À Gegenhop, à la tête de la nation d'Afrique australe depuis 2015, devrait terminer son deuxième et dernier mandat cette année. Les ennuis de santé du président sont récurrents. En 2014, il a déclaré avoir survécu au cancer de la prostate. En 2013, avant son arrivée au pouvoir, il avait été opéré du cerveau. Et l'année passée, il a été opéré de l'aorte en Afrique du Sud. Réélu en 2019, à Gegenhop avait précédemment été premier ministre pendant 12 ans.